Il est bien loin le temps où Flavie Flamand présentait Stars à domicile, Vis ma vie, Sagas et autres émissions cultes de TF1. Depuis septembre 2024, c'est sur France 2 que les téléspectateurs la retrouvent du lundi au jeudi, aux commandes de Télématin. L'ancienne compagne de Benjamin Castaldi, qui, comme vous l'a révélé, voici à retrouver l'amour au bras d'un certain Yannick, forme un duo avec Julien Arnaud, nouveau joker d'Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2. Chaque matin, entre 6h30 et 9h30, ils décryptent l'actualité et reçoivent des invités. Après le Cadméra de la veille, c'est donc Audrey Lamy qui s'est assise autour de la table le 13 novembre 2024. Si la petite sœur d'Alexandra Lamy était invitée sur le plateau de Télématin, c'est parce qu'elle est en pleine promotion de son dernier film, En tongs au pied de l'Himalaya, qui sort dans les salles obscures ce même jour. Comme le veut l'esprit de l'émission matinale de France 2, Flavie Flamand a donc entamé la discussion sur un ton léger. En évoque de 43 ans, n'était pas d'humeur à jouer le jeu. C'est sur la musique de la série La famille Adams que Flavie Flamand a accueilli Audrey Lamy sur le plateau. Audrey Lamy, ou plutôt devrais-je dire Mercredi Adams, a lancé l'animatrice, ce à quoi l'actrice, mal à l'aise, a répondu « Ah oui, aussi, ouais, je préfère Audrey ». Son interlocutrice s'est alors justifiée en expliquant qu'il s'agit de l'un des surnoms que lui donnent ses proches. On vous appelle Bibou aussi, des petits surnoms comme ça. C'est sympa, non? Component Placement a surenchéri Flavie Flamande. Mais la maman d'Enzo et Antoine aurait mieux fait de lâcher l'affaire puisque cela n'a fait que renforcer le malaise sur le plateau. C'est sympa? Il faut vraiment que je rebondisse là-dessus? A demandé Audrey Lamy, qui n'a pas quoi répondre, de quoi agacer Flavie Flamand, qui lui a directement demandé « Eh ben vous êtes de bon poil ou ?» Heureusement, l'ambiance s'est très vite détendue et l'actrice a finalement reconnu qu'elle avait bien eu le surnom de Mercredi Adams lorsqu'elle était plus jeune, durant sa période dark. Plus de peur que de mal pour Flavie Flamand, qui en a vu d'autres en plus de 30 ans de carrière dans les médias.